Bonjour à tous, ici AgretMC, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Nous nous retrouvons sur Injustice 2 sur PlayStation 4 Pro, les amis. Et bienvenue, c'est parti, on va continuer notre aventure. Donc, bienvenue dans cet épisode numéro 3, où vous allez me voir, bien évidemment, galérer et rager comme d'habitude, puisque c'est à la fois un jeu génial, à la fois un jeu. Il n'y a rien à dire en fait. Et par contre, c'est à la fois un jeu aussi rageant, parce que, en plus, le truc, c'est que j'ai mis la difficulté en moyen. Alors que j'aurais dû mettre en facile, parce que je sais que moi, sur ce genre de jeu, je galère à mort. Donc voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve dans le mode de... enfin, dans le menu principal pour éviter si jamais il y a une cinématique qu'on n'aurait pas vue. Donc je préfère démarrer là, et puis si jamais je vois qu'on a déjà vu les cinématiques, bah, je ferai un cut comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, c'est parti, jouer à l'histoire, continuer. Alors on revient à nouveau à la cinématique. Alors, par contre, je voulais juste vous dire, si vous n'avez pas la vidéo en 60 fps, c'est normal, c'est parce que je me suis foiré. J'ai complètement oublié d'activer les 60 fps, donc du coup ce sera un épisode 30 fps classico. Hein. Donc je tenais à m'excuser d'avance, voilà. Donc c'est pas grave, le prochain sera en 60 fps. Comme d'habitude, c'est juste parce qu'en fait quand je record du Breath of the Wild, vu que le jeu n'est pas en 60 fps, bah, je reconfigure nouveau mon logiciel en 30 fps. Parce que voilà, et après du coup quand je fais machin, ci et ça, quand je switch de jeu, bah, j'oublie à chaque fois de changer le réglage. Bon c'est pas grave, la prochaine fois j'y penserai. Allez c'est parti les gars. Besoin d'aide, docteur Randall? Je ne sais pas, Barry. Les connexions satellites, Internet et téléphone sont HS. Je tente avec cette radio. Vous vous intégrez? Est-ce que tout le monde vous traite bien? Eh bien, disons que les gens ne sont pas trop emballés à l'idée de côtoyer Flash, criminel du régime condamné. Criminel du régime gracier. Patience, ils finiront par se détendre. Basel W, vous me recevez? Basel W. Combien de temps pour aller à Métropolis? La condition de ma grâce était claire sur le pas de pouvoir. Vous croyez vraiment que ça compte en cas d'invasion? Vous avez aidé à renverser le régime, Barry. C'est pour ça que Monsieur Wayne m'a demandé de m'occuper de vous. Et si Batman pense qu'on mérite une seconde chance, on ne discute pas. Comme prévu, Barry Allen a repris du service. L'équipe d'intervention est prête. Ils vont adorer. Joli tir, Deadshot. Fais ce que t'as à faire. Son genou va pas guérir super vite à zéro absolu. Ah, mais bon sang, Cold! Regarde autour de toi! Ouais, sale journée. Un peu comme quand Superman a pété un plomb et que tu l'as suivi. Tu me puniras plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on aide ces innocents. Les innocents qui ont acclamé Superman quand il a exécuté mes amis? Ma sœur! Je suis désolé, Cole. Mais tu n'as jamais blessé de civil. Tu vaux mieux que ça. Avant tout. Oula, oula, ok. Ah.
Ok. Je peux ralentir le temps. Ok. Ok, je l'ai mis mid-life, c'est bon. Oh non! Oh, j'ai réussi à contrer! Ouh! Oh putain! What the fuck? Oh putain, j'ai rien compris, les gars! Oh le bâtard! Ah merde, j'ai rien, il va me niquer, il va reprendre la vie. ...25% de récupération de vie. Ah mais faut pas qu'il me nique hein. Ok, ok. C'est bon, je l'ai eu. Dans ce cas, on se déçoit tous les deux. J'espérais bien que t'étais la taupe de Bruce. C'est pas un franc succès. Grodd ne m'a jamais assez fait confiance pour me parler des extraterrestres. Il faut qu'on aide Dina et Oli. Plus tard. D'abord, il faut qu'on aille à Gotham. S'il en reste quelque chose. Perte de vitesse, Flash. C'est ça la retraite, on se relâche. Lawton, pourquoi tu fais ça? Tu devrais combattre l'invasion. J'ai pas le choix. Grodd m'a mis un anneau explosif dans le crâne. Il a la patte sur le détonateur. Alors que ça me plaise ou pas, je dois faire son sale boulot. Putain, on se bat contre Deathstroke, les gars. Oh, je sais pas ce que j'ai fait là. Oh putain, d'accord. Ok, c'est bon. Attendez. Oh, je le touche. C'est tellement classe. Là, je comprends rien en plus à ce qui se passe. Aïe. Oh putain, j'ose pas aller au cac. Ah merde, mais j'ai rien. À chaque fois à la fin ça fait ça. Et du coup il regagne de la vie et je me fais défoncer. Il a deux barres quoi. Bon ça, il a pas gagné beaucoup de vie.
Ça aussi, des fois, quand il se relève, il arrive à me toucher comme ça, là. Je sais pas comment il fait. Je sais. Y a rien de personnel. Grodd savait que tu résisterais pas à une bonne crise. Sohn ? T'as rien à faire ici ? Et rater le grand retour de Barry Allen ? What the fuck? J'ai couru depuis le futur pour t'atteindre, Barry. Mais cette ligne temporelle est une catastrophe. Alors retourne à ton époque, Reverse Flash. J'ai déjà essayé. Tes copains du régime ont tué un de mes ancêtres. Maintenant, je suis bloqué dans un paradoxe. Je ne peux plus rentrer. Mais je peux encore te faire mal. Ok. Oh putain le bâtard, comment il fait ça? Oh putain les gars. Mais comment il fait ça? Attendez, comment il fait ça? C'est bon, je l'ai mis mid-life. On va essayer de garder le finish pour la fin. Oh le bâtard, il me met mal. J'ai déjà vu plus rapide, t'en es très loin. Oh là, il est mal là. Là, j'arrive tellement pas à faire de combo. Ah là, je le défonce là. Alors ta course s'arrête ici. Oh. Ah par contre, faut pas qu'il me tue hein. Voilà. J'espère qu'on en a bientôt fini avec les retrouvailles. On dirait que je dérange. Mal ? Non. Pas maintenant. Content de te voir aussi, Barry. De la main de quel cadavre as-tu arraché cet anneau? Tu sais que ça ne marche pas comme ça. L'anneau m'a choisi. Même après avoir lâché les gardiens pour le corps de Sinestro? Les gardiens m'ont enfermé. Mais ils m'ont aussi appris à surmonter mes peurs. J'ai mérité la seconde chance qu'ils m'ont donnée. Les gardiens ont fait une erreur. T'as les gars, on enchaîne les combats là. Ah non, pas ça. Essaie de t'étirer avant la prochaine fois. Voilà. Aïe, ça fait mal. Aïe, aïe. Voilà comment contrer les trucs. Attends, mon tour maintenant. Ah merde.
Tiens, prends ça. Au moment où il est descendu avec les pieds, tu sais. Attendez, faut juste que je me relève un peu parce que je suis pas... Voilà. En train de m'affaisser dans mon siège, moi. C'est un truc de fou, quoi, les gars. Ah bah là, je crois que ça va être match nul, hein. Ah non, il a gagné. Aïe. Aïe. Attendez. Dans la gorge. Ah, toutes les récompenses qu'on a eues là. T'as retenu tes coups là, pas vrai? Je te l'ai dit, j'essaie de faire le bien. J'ai trahi mon corps, ma planète et mes amis. C'est ça le plus difficile. Chaque jour, on me rappelle que j'ai perdu mon statut de héros. Que ça va être dur de regagner la confiance des gens. Je crois qu'on est dans le même cas. La route va être longue, Barry. Ce sera plus facile si on la fait ensemble. On a besoin d'aide, non? Pas la sienne. Tu m'as donné une seconde chance. Parce que tu as repris tes esprits et aidé à neutraliser Clark. S'il était encore au pouvoir, il serait encore en jaune. Je ne suis plus comme ça. Je comprends que tu te méfies de moi. Mais tu devrais faire confiance au gardien. Cet anneau se mérite. J'ai dû passer des épreuves pour le récupérer. Tant pis, j'ai des ordres. Je pensais que ce serait plus simple si on s'entraidait. Lanterne, j'ai besoin d'élargir mon cercle de confiance. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas aller à Atlantis. Notre cercle va avoir besoin d'Aquaman et de ses Marines. Tu crois qu'il nous aidera? Il a disparu depuis la chute du régime. Il n'a pas apprécié d'être enrôlé de force dans le régime par Superman. Il ne sera pas heureux de me voir. Il va falloir t'y faire. Batman veut que mes Marines livrent son combat, comme quand Superman m'a ordonné d'envahir Metropolis. On était tous du mauvais côté dans cette guerre. Les miens ne verseront leur sang que pour Atlantis. Ils ne se battront pas pour la surface. Tu fais partie des nôtres, Arthur. Ton père... Mon père était humain, mais je règne sur Atlantis. Je ne te fais pas confiance, Jordan, ni à aucun autre habitant de la surface. Maintenant, pars et dis à Batman de rester hors de mes océans. Et quand ils seront à tes portes? Atlantis saura se défendre. Ça arrivera plus tôt que tu ne crois. Il faut qu'on travaille ensemble. Pars, je n'ai pas besoin de distraction. Je ne partirai pas! Dois-je te rappeler qui règne sur ce royaume? Oh, what the fuck, les gars? Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Oh putain! Ah, mais je connais pas Green Lantern! Ah, mais attends, il va m'enchaîner là! Ah non, mais il me défonce, il m'encule. Il me la rentre dans le cul. Je peux rien faire, hein, les gars. What the fuck? Mais les gars, mais il est trop lent ce... Oh putain, mais les gars... Oh putain, mais regardez-moi ça. Je peux rien faire là, les gars. Voilà. Mais je peux rien faire, les gars.
Des fois, t'as des putains de personnages comme ça, tu ne peux strictement rien faire. Putain, j'espère qu'il... Non, il le terminera pas. Il va y avoir un truc là où on se contre et il va gagner de la vie. Vous pouvez en être sûr et certain. Non, c'est bon. Putain, trois fois quoi, sans déconner. Sois raisonnable, Arthur. Je regrette. Je ne suis pas venu pour me battre. C'est exactement ce qui s'est passé en haut. D'abord, il coupe les communications. Ensuite... Je croyais que le seul ancien du régime que j'allais torturer était Aquaman. Cheetah. Je vais aller droit au but. Wonder Woman se cache quelque part. Peut-être même ici. Dis-moi, où est ton ami Amazon? T'es pas au courant? C'est plus mon ami. Ni celle d'Atlantis. Menteur! J'ai pas besoin de l'assaut magique pour te faire cracher le morceau. Oh mais ça commence déjà, regarde. Oh yeah. Oh yeah, putain, ça fait deux fois qu'elle me fait ça quoi. Mais putain, mais... Non mais calme-toi! Putain! J'ai l'encul. Non mais ça sert à rien de faire ça, elle a trop de vie là, putain. Putain mais il est nul à chier Green Lantern hein. Non mais c'est bon, elle va me défoncer. Elle va me défoncer. Ouais, c'est pour qu'elle me fasse ça. Oh là 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 là, mais putain, mais vous avez vu ce qu'elle fait? C'est bon, je suis enculé, je suis enculé, elle m'encule. Terminé, rect, 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 rect. Voilà. Putain, mais c'est incroyable ça hein. 5 fois les gars, j'ai réessayé 5 fois. On se fait attaquer par le côté. Tiens cette ligne, tu seras la garde arrière. D'accord, et toi? Je suis l'avant-garde. Al Jordan,
Tu es revenu. Ça fait du bien de reprendre sa place. Un peu comme toi en prison. Déjà en tant que lanterne jaune, tu ne me respectais pas. Cette fois, je vais te montrer comme il est facile de briser ta voix. Ça y est, c'est reparti. Oh putain, mais le mec. Mais regardez-moi ça comme il m'enchaîne, le gars. Ah, mais je te jure qu'à un moment donné. Oh putain. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ouf. C'était violent ça. On ferme les portes, mais le combat n'est pas terminé. Al. Désolé, j'étais ailleurs. Où est-ce qu'on en est? Tu as risqué ta vie pour Atlantis. On peut peut-être te faire confiance. Alors, tu nous aides? Je ne peux pas. Ma place est ici, auprès de mon peuple. C'est Dexter, agent de la vengeance, animé par la rage. Ne t'en fais pas, je vais les affronter, anneau contre anneau. Bonne chance. C'est toi que j'entendais dans ma tête, pas vrai, Atrocitus? Les îles aux lanternes de Sinestro ont fait des millions de victimes. Et elle crie vengeance. Tu as peut-être jeté l'anneau. Mais tu n'es pas pardonné. T'es pas le premier à me dire ça. Dexter veut t'arracher le cœur et lécher ton sang. Mais je sens en toi un potentiel plus grand, une étincelle qui brille, une étincelle de rage. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que c'est que cette colère? Tu as peut-être surmonté tes peurs, mais tu as quand même trahi les Green Lanternes. Blessé tes alliés. Comment peux-tu te le pardonner? Je ne peux pas. Alors brûle! Nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui te font le mal se prennent. Craigne la lumière des Green Lanternes. Tu as raison. Je me déteste okay. Pour ce que j'ai fait. Mais dernier combat, les gars, après on se laisse. Thank you.
Aïe aïe aïe. Mais mec, stop. Mais il est fou ou quoi? Il est fou. Elle est folle, Stia, mon gars. Oh putain, mais t'es sérieux. Elle est folle, Stia. Elle est vraiment. Elle est folle, Stia. Elle est folle, folle de chez folle, Stia, je te jure. Bêta est achevé. Les défenses de la Terre sont irrémédiablement compromises. Lancez le compte à rebours. J'ai fait le tour du globe. Des vaisseaux plus gros sont positionnés au-dessus de ces grandes villes. Même avec les Marines d'Aquaman, on manque sérieusement d'effectifs. C'est quoi le plan? Tu en as un, non? Il va nous falloir évacuer les villes occupées avant d'affronter Brainiac. Mais il nous faut de la puissance. Il y a de gros calibres dans le personnel de Luthor Wayne? Blue Beetle et Firestorm. Mais ils sont occupés. Trop occupés pour ça? Ils sont la dernière ligne de défense si Brainiac s'en prend à Superman. Enfin, si Brainiac essaie pas de le sortir de prison, Adam et Wonder Woman le feront. Et plus ça s'aggrave, plus les gens voudront qu'on fasse appel à lui. Je dis ça comme ça. J'espère que les nouveaux sauront tenir tête à l'ennemi galactique numéro 1. Beetle et Firestorm sont peut-être jeunes, mais ensemble, c'est notre équipe la plus puissante. Sans blague, Raimé, Batman nous prend pas au sérieux. Les extraterrestres débarquent. Bon, eh ben voilà, on est au chapitre 6, les amis, on va se laisser là pour cet épisode numéro 3. J'espère une fois de plus qu'il vous aura plu. Il y aura eu des cuts, parce que putain, à un moment donné, j'étais en train de galérer contre la cheetah, là. Putain, j'ai réussi 5 fois, ça m'a fait rager de ouf, hein. Waouh, le Green Lantern, putain, comme il est nul à chier à contrôler, les gars. Tu essaies de faire des combos, il fait rien du tout, quoi. Enfin bref, c'est... Je vous le dis, je suis nul à chier à ce jeu, je suis nul à chier à Mortal Kombat, je suis nul à chier à Injustice, hein. J'ai toujours été nul à chier. Ouais, ce qui m'a toujours intéressé, c'était l'histoire. Et après, voilà, les combats en ligne. Je verrai si j'en fais vraiment en stream. Je pense que j'en ferai. Mais voilà, ça... On verra déjà comment ça se passe. Parce que très clairement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les combos. Hein. C'est un truc de fou. Enfin bref, bah écoutez, sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé cet épisode numéro 3. J'espère une fois de plus qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu avant de partir.
Ça me fera super plaisir. Et puis sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous la fois prochaine pour continuer notre aventure sur Injustice 2 sur PlayStation 4 pour les amis. Allez, ciao tout le monde, c'était Iconite, and see you next time for the next episode, and hope you have a nice day, and peace out. Yeah!